Jean Seslan, on se retrouve sur Crusader King avec Tekamon, le futur roi d'Irlande. Comment vas-tu? Bien, 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 roi d'Écosse. Quel T'as vu, merdier! j'ai failli te voler ton fils en tant qu'héritier, mais, j'ai eu impromptu un fils moi-même, beau, Heureusement. et un petit-fils squameux, qui est du coup mon héritier. Alors, ton fils est Oswulf Alofsson. J'aime bien les noms comme ça. Et tu es grand-père de qui? Qui est l'heureux parent? Eh ben mon fils mort a eu un petit-fils. Tout moche et squameux, et pour l'instant c'est lui qui hérite. Il est vassal en royaume de Écosse. Deux titres. Ah, il a déjà Ouais. Ah, il a hérité des trucs de son père. Ah, puis il est bien squameux, hein. Ah, la Ouais, vache. il est bien squameux. Alors, Ah. assassiné. C'est parti. Parce que j'avais pas d'héritier, c'était un problème, mais en avoir deux, c'est aussi un problème. On est parti, j'attends que tu fasses la paye, je vais te proposer une vassalisation, quelques échanges et mes troupes pour t'aider. Ça marche. Alors il faut que tu me donnes 4 mois en gros. Oui, bah, de toute façon, je relance pas de trucs tout de suite. Voilà. J'ai plus de troupes là. C'est pour ça que je te les proposais d'ailleurs. Faut que je me reconstitue. À la limite, tu peux attaquer. C'est vrai que bref, si on fait un échange, tu l'attaques et tu me le redonnes après. Il a que Ah bah je 76 peux, hein. soldats, il a des alliés, il a quoi? Ah, il y a des Ah, il a alliés. 2900 Ah hommes, ouais, il a non. l'air d'être allié avec Mais c'est pas toi qui es allié avec lui? Si, c'est moi. Bah go. À moi. Et l'autre, il a combien d'hommes? Il a 1000 hommes, l'autre, son allié. Uni Gardarson de Osterland, son allié. 1000 hommes, ça fait Il a trop. combien? 1000 hommes? Non, non, ça devrait aller, je pense. C'est un peu tendu là. Alors, ne fais pas. J'ai 2300 moi, alors s'ils réunissent leurs 1000 hommes plus Ouais, leur. c'est ça, ouais. Attends, il a 76 lui? Non, ça devrait le faire. Hein. Il a 76 ans. 76 troupes. Ah oui. Il a quel âge, papy? 56 ans. Oh, pour un viking, c'est pas. Ça devrait être bon. Allez, je vais l'attaquer. Tu veux pas que j'attaque plutôt Mythe, puisque tu dois avoir une trêve avec lui. Si tu veux, vas-y. Et comme ça, on fera des échanges, tu me rendras ce que je n'ai pas. Celui, il a pas de force du tout, il est tout petit, il est tout faible. Attends, Hop, c'est parti. qu'est-ce qu'on appelle la grande mythe? Il n'y a plus de mythe, hein? Si, au nord, t'as pris que la moitié. Ah, Elek. Elek. Voilà. C'est Mythe en fait, ça. Allez, c'est Grand-parent. parti. Oh là là, le chevauchement. Oui, bah vas-y. Et ton allié, je vais lui proposer de le vassaliser. Ouais. Ah, je. Autre Voilà. proposer la vassalité. Pourquoi il refuse 96? Bon, je devrais pas cracher sur mes prisonniers, après tout, 10 pièces d'or. Exemption religieuse. Il refuse parce qu'il a une réticence basse, j'ai une foi différente, vous n'êtes pas son seigneur légitime. Ah bah oui. Bah toi, il acceptera de se faire vassaliser. Si tu lui promets une exemption religieuse. Ah, Elek? Ouais, mais Non. il faudra d'abord que tu sois le roi d'Irlande. Oui, voilà, et puis. Oui, exact, ouais. Donc t'as pas besoin de l'attaquer. Quand tu seras roi d'Irlande, tu diras je fais une exemption religieuse pour toi et hop, il acceptera de se vassaliser à Bah, toi. il me faut juste 250 pièces d'or, enfin 200, créer plein de Le trucs. pape a été fait prisonnier. Oh, c'est moche. Tu vas voir qu'on va se taper des djihad maintenant. Bénédictus, qu'est-ce qu'il a été fait par le sultan Ahmad de Toulounide? Les Omeyyades, ils sont en train de Ah, ils l'ont défoncer les. libéré. Ah bah il a dû payer. Voilà. Le Desmond est à moi, mon frère. Ainsi Ah bah oui, bah soit-il. du coup moi je suis dans la guerre pour toi. Je peux plus te vassaliser. Non, mais. Oh, j'ai presque autant de territoire que toi, hein, petit roi Bah d'Écosse. si tu peux attaquer tout le monde, le temps que je fasse que je fasse Oui. Ouais. Pourquoi je peux pas. Je suis en trêve avec lui. Deux svulte! Des Ouais. osvult déjà! Oh non, mais. Non. Non mais on va avoir les croisades. Ça y est, on a les croisades maintenant. Punaise! Les musulmans sont venus nous embêter. Maintenant, on a le droit de faire des croisades. Et tout ça sera leur faute, qu'ils viennent pas se plaindre par la suite. Bon, il est brave et penseur, ok, mais il a aucun trait génie. C'est pas grave, je vais le garder, mon fils. Je te propose la vassalité. Ne refuse pas, sinon je te bute. Elle est où cette chose? Allez! Merci. À toi de gérer ça. Alors oui, ça va être compliqué par contre. Hein, prends ton temps. Moi, je suis dans mes domaines pour l'instant. Alors, est-ce que tu peux me passer la suzeraineté de toutes les terres qui sont en Écosse? Moi, je vais te passer la Oui. suzeraineté. Je vais t'accorder carrément ce domaine-là qui est à moi, je te le donne. Alors attends.
Est-ce qu'on peut ralentir la vitesse? Déjà, je peux mettre en pause deux secondes. Je te et cherche. C'est tout ce que je peux faire pour toi pour l'instant, mais je pourrais te passer la vassalité de celui que je suis en train de conquérir. Transférer un vassal. Ça y est, je suis encore bloqué, c'est pas possible. Je te sélectionne toi et transfère un vassal. Je veux choisir chez moi, ça marche pas. Donc c'est pas la chose à faire, c'est plutôt que moi. Si, si. Non, faut que tu cliques sur moi et me transférer des vassaux. Punaise, ok. Ah, mais c'était devenu ton vassal direct. Attends, je vais vérifier les îles. Non, t'es toujours. Ah ouais, tu non, détiens non. toujours. Alors, on reprend. Sigtrygd, c'est bien toi, hein? C'est moi, oui. Transféré. Je suis Sigtrygd. Oui. Et quand je choisis la terre, actuellement 3 remplissent cette condition. Détenu par vous, donc je peux pas. Pourquoi? Ah, tu veux m'accorder des terres, c'est ça? Bah ouais. Alors, accorder des terres, il n'y a que Dunbar que tu pourras me donner. Non, tu l'as plus. Donc, tu fais. Non, c'est transférer un vassal. Qu'il faut faire. C'est bien ce que je fais. En te sélectionnant, toi. Attends, je reprends. Excusez-moi, hein, je suis un peu rouillé. Ouais, moi je peux te filer des trucs. On va faire transférer un vassal. Ouais, mais c'est peut-être parce que c'est ton titre principal. Tu peux changer de titre principal, tu m'as dit que tu avais deux titres de duc. Ah, je vais peut-être me mettre en... Oui, t'as peut-être raison. Il y a un blocage avec ça. Principal, c'est Zoreillard. Et maintenant, je voudrais devenir... Mais je n'ai plus le titre. Ah, bah fais-toi un autre titre de duc. Je te file de l'argent, si tu veux. Alors... Hop, je relâche, je t'envoie un petit peu d'argent. Il faudrait 125... Oh, si t'avais 25. C'est pas beaucoup, mais... Voilà. Tu les as reçus. Merci, mon roi. On va créer... Et il te faut un titre de duc en Irlande. C'est ça. Fais pas le duc de Lothian. Non, non, je deviens le duc de Meath. Et du Par coup... Et comment on le choisit, celui-là, pour rendre principal? Bah, tu cliques droit dessus et voilà. Voilà. Donc, je suis enfin le duc de Meath. On va vérifier ce que ça donne après. Okay. Voilà. Ensuite, le titre de Sudreyar... Maintenant, tu peux peut-être me transférer des vassaux. Je peux faire accorder à. Est-ce que je peux te l'accorder à toi? Bon, attends. Non. On va reprendre les vassaux alors, on va faire plus simple. Le roi. Non, mais normalement, tu cliques sur moi et ensuite tu as accordé des titres et transféré vassal. Je n'ai pas accordé des titres, j'ai que transféré le vassal, c'est là-dessus, hein. C'est ce que je fais depuis le début. Voilà, c'est là-dessus, oui. Ouais. Et quand je veux cliquer sur la terre, non, mais par contre je vais chercher, alors du coup les gars, hein. Tu as le nom des bonhommes? Oui, je peux te les donner, c'est sans problème. Maillot... Il y a le Earldom de Inri Sudreyar, le chef Guiofrid. J'ai Peebles que je peux te donner. Voilà, la comtesse, ça là. Commence. Allez. Ça c'est bon, on peut relâcher la pause mais en vitesse lente, comme ça on va bien voir. Merci. Voilà. Et c'était la seule que je pouvais te donner, c'est une blague. Comment ça c'est la seule? Je peux... Ah si, attends, ça revient, c'est bon. Lothian. Voilà. Lothian, allez. Lothian. Excusez-moi de ma lourdeur, mais c'est, je suis qu'un pauvre viking. Ouais, merci beaucoup. Faut que ça valide. Voilà. Allez, on fait ce qu'on peut. Maillot, c'est où Maillot, ça? Tevotiad. Cultiver des plantes. Attends, j'ai Ketilmun et le seigneur mère Gandalf. Alors, je vais voir où ils sont. Je te mets en pause. Alors, il y a le seigneur mère Gandalf, oui, tout à fait. Alors, Mid, c'est moi. Alors, je regarde juste les terres. Ouais, ok, lui, je vais te transférer. Pardon, faut que je relâche un peu la pause. Voilà, tu vas le recevoir. Merci. Maren est encore enceinte. Les fidèles se préparent à la guerre. Ah mince, tu fais quoi dans ces cas-là, toi? Ils sont mignons, hein. Les guerriers, je contribuerai au financement. 32, ouais, allez. Donc le dernier, là, les îles qui t'intéressent, c'est mon frangin, Gutfried, mais est-ce que je l'ai? C'est mon vassal, hein, oui. Alors normalement, ouais, il reste plus que ça.
Gutfried, est-ce que je le vois dans ma liste? Je ne le vois pas dans ma liste. Je peux pas te le donner. Pas me le donner. Pourquoi? Et c'est lui qui a les deux. Et c'est lui qui a les deux. Pourquoi, pourquoi? J'ai une idée. J'ai une idée. Je sais ce que je vais faire. Je vais te le soutirer. Sans te voler, je vais te le soutirer. Ouais, mais attends, parce que c'est ça. Je vais t'accorder plutôt, peut-être. Est-ce que je peux te le donner? Est-ce que c'est le titre de duché? Si tu peux pas le donner... Ah bah voilà, non, j'allais dire, je vais lui donner un titre duché. Si tu peux me donner le titre duché de Sudreya... Mais je peux pas, mais je peux donner au frangin. Il peut devenir duc et il deviendra ton vassal. Ah bah voilà. Allez, c'était ça la solution. Gutfried Ivarsson. Sinon j'allais en créer un et j'allais lui jurer de donner... Voilà. Et il est devenu ton vassal. Punaise. Très bien. Très technique. Tu m'as donné Ulster, c'est super. Et je te donnerai Aelec bientôt, pas tout de suite. Je peux pas te le donner quand tu auras quitté. Enfin, je te le donnerai dès que je pourrai, en fait. D'accord. Et je ne pourrai te relâcher que quand j'aurai fini de conquérir des terres pour toi. Mm-hmm. Donc après, j'attaque Brefin, toi tu attaques Tormund, et ensuite tu te relâches et tu deviens roi d'Irlande. Voilà, il faut juste que j'en fasse des pépettes. Et j'ai perdu des conseillers encore. Oh. Ouais, ça va pas par contre. En chancelier, c'est pas terrible. Hop là, accorder un titre. On va regarder dans notre cour. Voilà pour toi. Merci. Est-ce que tu peux devenir roi d'Irlande? J'ai pas d'or pour l'instant. Je vais t'en donner un petit peu. J'ai pas d'or du tout. Par contre, je voulais marier avec quelqu'un pour amener une chancelière. Il te faut deux duchés. Mince, oui, je vais en créer alors. Il faut beaucoup d'or. Ouais, je vais t'envoyer de l'or dès que je peux. Je viens d'extorquer mes sujets, ça devrait le faire. Et moi j'avais une chancelière 40 ans, pff, ouais allez. Allez, Bedouin. Tiens, je t'envoie encore de l'or. T'as accepté le premier cadeau? J'ai accepté le premier cadeau, ouais. Grand fou. En voilà un autre. Voilà, on peut pas la nommer. Je t'envoie encore de l'or. Ah non, j'ai plus assez. Mais bientôt, je gagne 5 par mois. Ok, ça marche pas. Ouais, ouais. J'ai bien levé mes troupes. Bon, bah du coup, j'ai le temps d'attaquer Brefin. Bah je te laisse ça. Ouais, ouais, parce que je suis en train de gérer un problème de conseiller, moi. Tu me promets de pas intervenir pour le sauver? Merci beaucoup. Non, non, j'interviens pas. Bah c'est, sinon, je me fais défoncer. Très, très beau. C'est parti. Bah tu peux répondre à sa guerre et Ah bah non, tu peux pas. Non. Ah bah oui. T'étais compté comme un de ses amis. Oh merde. Problème. Il y a effectivement... Ouais, problème, merde. Zut. Gros problème, ok. Ouais, problème. C'est quoi ça? Non, c'est des pillards. Ah, tu me fais peur, toi. Les 3000 hommes, là, qui ont popé. Ouais, ouais, c'est des pillards, ouais. Nouvel héritier. Mon fils est devenu l'héritier. Je sais pas, un accident de chasse pour mon petit-fils de 0 ans. C'est moche. Ouais, c'est moche. Partir à la chasse, c'est tout quand même. Du coup, en face, ils sont bien 917. C'est parfait. Je te donne Brefin bientôt. Et voilà, j'ai un chancelier. Ouais. Je me fais piller. C'est Dunbar qui se fait piller. C'est censé être chez moi maintenant. Dunbar, c'est pas chez moi, oui. Je comprends pas pourquoi j'ai ce message. Alors. Non, 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 je suis mourant. Non, non, pas tout de suite. Alors, pour être roi d'Irlande, hop, on réfléchit vite fait. C'est quoi la faction dangereuse? C'est des paysans? Il me faut 250 avec deux titres de duché. On va jamais y arriver, hein. Encore une fille. Pourquoi ai-je autant de filles? En tout cas, mon fils, il est beau. Un peu jeune, par contre. Hein. Ça, il y a les 850 en poupée. Il va se battre jusqu'au bout. Il y a une croisade, c'est pour le royaume de Jérusalem. Hein. J'aurais dû y aller. Perdre toutes mes troupes et devenir roi de Jérusalem. Qu'est-ce que t'en penses? Ah oui. Bah vas-y, toi. Moi je vais pas. Non, 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 je suis pas fou. Je tiens à ma vie. Le Earldom, celui-là.
On va l'accorder. Pour devenir roi de Jérusalem, il faut avoir plus d'hommes à perdre que ce qu'on a actuellement. On n'a pas assez de troupes. Bon alors moi maintenant, il faut que je trouve un moyen de voler les terres de mon frère. C'est qui son héritier? Mon neveu. Le fils de qui? C'est son fils. Je pourrais peut-être l'assassiner, mon frère. Quelqu'un qui a une revendication sur la Hollande. Alors j'ai mis mes fistons pas prioritaires sur des territoires. Est-ce que ça change la succession? Je garde toujours Dublin, Athlone, Ormond, Desmond. Ça c'est beau. Et je peux monter au rang 3 si je suis fou. Autre. Tu es déjà au rang 3 toi? Ouais, je suis pas roi. D'autorité de la couronne? Ouais. Non, pas encore, non. Est-ce que je peux demander de l'argent? Parce que je vais mourir avant, c'est pas possible. J'ai pas assez de prestige, j'ai pas de sous. Là, je suis en négatif. Culture, tout, ouais. T'es en train de conquérir ton monde? Non, je fais rien là. Je fais rien. Il est en train de se battre contre lui-même alors. De toute façon, je n'ai qu'un seul duché, je vais pas perdre mes terres, je vérifie bien. C'est bien ça. Bah, c'est très bien que t'aies qu'un seul duché. Hein. Ouais, ouais, c'était à temps. Ah oui, mais attends, ils peuvent être créés les autres. Ils peuvent être créés, mais je vais pas les faire. Parce que je suis... Oui, mais ça change rien, ils peuvent être créés à ta mort. Va regarder ta succession. Ah là 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 là. Oui, alors. Il y en a qui va faire le duché de Leinster, mince. L'autre va faire le duché de Connacht. Il faut faire attention, parce que moi, si je meurs, le royaume d'Irlande est créé. Non, je pourrais avoir le duché de Munster, ça m'appartiendra. Munster. Il appartient à personne. Personne va créer Munster, donc il me restera un duché de disponible. Ok, personne ne va le créer, c'est bien ton fils qui va hériter de tout, ça va pas être partitionné. Il y a une autre solution. Ah. Combien tu as d'argent? 88. 250 pour le royaume. 250 pour le royaume. Ouais. Et tu as assez de titres, toi, de baronnie? De duché ou pas? De duché, il en restera un à créer. D'accord, donc ça te coûterait plus cher à toi de le créer qu'à moi? Le duché de Munster, tu vois, il faudra 125 plus 250. Ah, il faut 375, c'est une fortune, hein. Oui, sauf que moi, il me faut que 250. Attends, j'ai des gens en prison, non. Et après, je peux te donner le titre de roi d'Irlande. C'est moins cher, c'est plus rapide. Ah, mais le problème, c'est que c'est moi qui prends le prestige. Ouais, ouais. Bon, du prestige, j'en ai 543, mais de toute façon, je vais le perdre à ma mort. Ça aussi, c'est embêtant, par contre. Super. Ah, mais il faut peut-être que j'investisse avec tout le prestige que j'ai, moi. Je suis bête. Ah non, ça coûte de l'or, quand même. Fais suer. Ah oui, ça coûte quand même de l'or de faire des bâtiments. Fais suer. Donc, tu veux essayer de faire? Bah, moi, je viens de demander de l'or au pape. Il vient de me filer une centaine. Donc, je suis en positif de presque 100. Je viens de vendre quelqu'un, j'ai 100. Et je gagne 5 par mois, donc dans quelques mois je peux le créer si tu m'envoies une centaine. Alors. Et je peux le créer d'ici 8 ou 9 mois. Je serai peut-être mort d'ici là. Hein. Je fais ce que je peux. Je ne peux pas t'envoyer de cadeau. Mais je pourrais donner le titre à ton fils. Ouais, ouais. Mais je peux pas t'envoyer de cadeau, dis donc. Bah, parce que t'as pas. Ah si, non, mais c'est que je suis aveugle. Voilà. Ce que j'espère juste, c'est que je pourrais vraiment bien te le donner. Mais je pense que oui, y a pas de problème, t'as pu donner un titre de duché et te séparer de ton bonhomme, donc... Ouais, ouais, non, c'est géré propre, normalement, c'est ça. Desmond, je vais juste perdre le comté de Bren, il va aller à qui? C'est ça, Desmond, Ormond, Athlone, Dublin... Ouais, là, il me manque maintenant pas beaucoup, là, il me manque 90. On va aller là-dessus, et donc c'est mon fils cadet qui va hériter avec Bren. Ouais, c'est logique, non, c'est propre. C'est en propre. Je peux mourir heureux. Ah ben. Dis donc, pour un fils divin, j'ai quand même fait du taf. Mais ça serait bien que tu sois roi avant de mourir, quand même. Ça serait génial, mais bon. Tiens, je peux pourquoi encore tu meurs? T'es pas vieux, quand même. Je ne sais pas pourquoi. C'est l'adultère, je t'avais dit. Et les batailles, tout ça, je t'avais dit de pas y aller. Bah oui, mais bon, ça fait du bien, des fois. Mais j'ai un médecin. Bon, je t'ai donné ce que je pouvais. Hein. Commence par l'exécuter, alors, vas-y. Qui? Ton médecin, c'est un mauvais. Mais non. C'est ma femme. Aïe. Non. Eh ben, je comprends pourquoi son fils va hériter plus vite que prévu.
Ne jamais choisir sa femme comme médecin. Allez, on va négocier. Surtout si c'est pas son fils, l'héritier. Les prisonniers, au Odessa, ils restent chez nous pour l'héritier. Hein. Ouais, ils restent chez toi, les prisonniers. J'ai deux jeunes femmes en Anjou, là. Elles sont pas mal, 20 ans et 21 ans. On va les garder au chaud. Oh là là, lubrique. Et l'autre, elle a juste la maladie de Cupidon. Bon, on va garder ces deux coquines, on sait jamais. Moi, je suis en train de... d'essayer d'échanger des faveurs contre du fric, mais non, parce qu'ils repartent chez eux. Alors, quand même, c'est beau. Thaumont, alors Thaumont, 340, est-ce que j'attends des clans de guerre à Thaumont? Allez. Non, le fais pas. Tu peux attendre 5 mois? Ouais. On va laisser faire. Et puis surtout, il va sûrement accepter de se vassaliser à toi. Ou à moi. Je vais d'abord lui demander moi. Et ensuite, je te filerai le titre. Et s'il veut pas, je te filerai le titre. Et puis toi, tu lui demanderas. Ouais. Et l'Écosse, ça va, tes vassaux autrement? Oui, aucun problème. On réglera ça, tout ça éventuellement plus tard s'il y a des soucis. Je m'en fous, elle peut faire ce qu'elle veut. C'est une gamine. Les filles, elles ont ce qu'elles veulent. Ah, le temps que ça vienne, d'ailleurs, oui. Alors, mon fils, non, il a pas encore. Il est trop jeune, ça vient. Tranquille, j'ai plein d'enfants qui sont jeunes. 12 ans. Mon fils, je peux pas lui mettre un tuteur. Envoyer un cadeau. Proposer une tutelle. Moi. Bah merci pour l'argent en tout cas. Ah bah 90 pièces d'or, je les ai cachées. Mais tu l'as donné déjà, je te signale. Hein. C'était pas trop cher payé. Alors, il reste 3 mois. Peut-être 2, ça dépend. Je suis pas encore mort. Je tiens, je m'accroche. Ouais, accroche-toi. Parce que c'est pas parce qu'ils te disent que tu vas mourir. Hein. Tu sais, des fois, ils sont pas. Nostradamus, il a prédit des tas de trucs, puis finalement. Athlone. Ouais, bah on convertit un peu. Alors, justement, l'Irlande, comment ça se passe? Au niveau religion, le catholicisme monte doucement. Non, attends, j'ai une petite rébellion, là. Jamais. Rassembler les troupes. Et au niveau culture... Tu gardes la culture nordique ou pas chez toi? Parce que je vois que tu le fais pas, finalement. Si, je garde la culture nordique. Ouais, tu l'imposes pas? C'est juste... Si, normalement, si. T'as des descendants. J'étais, mais elle vient de se finir. Ouais, les Combriens, ils sont partout, les Gaéliques. Okay. Ah ouais, t'es rendu au Pays de Galles aussi, c'est vrai. Ouais, c'est parti. Je te rappelle que pour le chrono, c'est toi, j'ai pas fait gaffe. Hein. Ouais. 22 minutes, encore le temps. Ah ouais. Je viens de lever mes troupes à cause des paysans. D'accord. Et donc, je ne gagne plus d'argent et je suis à 244. En influence, on va gérer un peu tout le monde. Alors, je vais réussir à me débarrasser de mes paysans rapidement. Parce que là, c'est un peu la misère quand même de rester bloqué à 244. Un complot. Très bien. Je vais trouver ma femme, la grande chef esclave, dans son bureau. Mais la pièce est vide, feuilletant tranquillement ses papiers. Je tombe sur quelque chose qui est indéniablement un complot contre le Jarl. Contre moi? Salope. T'as raison, mon médecin est une salope. Je te l'avais dit. Ah, c'est pas possible. Top. Je vais devenir le roi d'Irlande. Ouais, moi je vais chercher un autre médecin en urgence. T'as plus de sous. Si, j'ai de quoi nommer un médecin vite fait. Ma fille. Pas confiance. Alors, je mon crée champion. Le titre du royaume d'Irlande. 250. Donnez-moi un médecin. Tormund, maintenant je vais te proposer la vassalité. Il refuse. Ce sera ton problème. Et toi, je vais t'accorder le titre de... Royaume d'Irlande. Ah, merci. Le problème, c'est... Démerde-toi maintenant. Ouais, je sais. Mais nous sommes toujours alliés. Toujours allié, bravo pour mon prestige, je suis glorieux, belle couronne néerlandaise. Pourtant elle m'aime, mais c'est une scélérate perfide, donc cette saleté a sûrement un amant. Ah c'est pas vrai, c'est pas possible, comment ça va santé? Je
suis toujours mourant. Ah, oh, c'est pas vrai. Il y a Narsumbré qui s'est séparé de Jorvik. Oui. Mais il est allié au roi de Suède, à Bjorn. Bjorn, notre. Il a quand même pas mal de monde, hein. 2300 hommes. Ah, c'est Bjorn II, c'est son fils. Ouais. C'est même pas la même dynastie. Ils ont 5000 hommes. 5000 hommes, il est trop fort. Je vais voir si je peux attaquer Gwynedd. On peut demander un divorce? Non. Oh là, ils sont tellement tous forts. Est-ce que ce serait pas intelligent de me divorcer de celle-là? T'as déjà divorcé, toi? Non, j'ai pas eu besoin. Puis moi, j'avais des problèmes d'héritier, c'est pas le moment d'aller divorcer. Je n'ai pas de problème d'héritier. Alors, faction dangereuse. C'est qui? C'est paysan. 7000, mais ils sont tous beaucoup trop forts, les gens. Hein. Et Jorvik. Tout le monde est plus fort que moi. Pas compliqué. Il n'y a que des gens forts. J'ai craint. Ah, il est petit, lui, il est pas fort. Intérêt changeant. Inconstant, ou alors. Inconstant, ouais, c'est intéressant. C'est... Voilà, on charge. Mettre mon drapeau là-bas. Ici. Résiste au complot. Ah oui, c'est quand même pas mal ça. Ok. Lui m'embête. Ok. Bon, j'ai l'air d'aller mieux. J'ai plus de messages, j'ai plus de crâne. Ça me semble intéressant. Tu veux me filer un petit coup de main? Avant que je finisse mes guerres en Irlande, tu veux quoi? La merci. On est bien alliés, hein. Attends. J'aimerais bien qu'on soit alliés. On est alliés. J'espère bien, quand même. Ah, attends, malade, mon corps mortel. Appelle à la guerre, vite. Avant que tu meurs, qu'on soit plus alliés. Ça va mieux. Merci. Ça pour l'instant, mieux. J'ai pas besoin que tu viennes. Quoique si, ils sont 1700. Un complot à la cour. Je peux rejoindre ta guerre, là, du coup. Hein. Tu m'as appelé, de toute façon. Ouais, je t'ai appelé, j'ai dépensé 350 de prestige que tu m'avais offert. Ah oui. Avec ton titre de royaume. Oui, merci qui? Et il est parti sur ma capitale, donc si tu pouvais me rejoindre pour qu'on lui mette une baffe. Alors attends, je me remets bien, ta capitale elle est... Il est parti en Écosse? Non. Ah, il est pas en Écosse, ma capitale elle est au Pays de Galles, c'est d'où il fait, juste à côté de toi. Ok. Je réunis mes troupes et puis je embarque. Allez go. D'où il fait, c'est parti. Et on va changer de commandant parce que j'ai pas envie de mourir. Mon maréchal, très bien. Mais tu devrais être mort depuis tellement longtemps. Mais bah oui. Il vient de s'envoler. C'est bizarre. Il prend le bateau, il t'a vu arriver. Bon, en même temps, on est 6000. C'est la merci, hein. Ok. Oh oui. Il fuit là, il fait quoi? Ouais, il fuit. Parce que je vois plus ses troupes du coup. Je débarque où moi du coup? À Dwyfed quand même? Non, t'es en siège hein? Ouais, je suis parti en siège maintenant, il faut faire des sièges du coup. Non, mais à Pinfro, je sais. Ah non, il est revenu! Ah ouais, on débarque. Ah, je suis mort! Pause! Le roi! Javadre, le nouveau. Bon! Mon frère a péri. Je sors de maladie! Changé. Adultère sans vergogne. Bon! Punaise! Tu es le chef de dynastie? Toi? On va savoir. Petit merdeux. Ah oui, mais beaucoup de terres sont nordiques maintenant chez moi. Merci de me laisser du temps pour mon conseil. J'ai combat mon chancelier 17, 27. Eh ben, puisque c'est comme ça, on va s'arrêter là. Ah, ce sera au prochain épisode de la suite, mais tu as raison. Vive le roi, Jadvard. Vive le roi. Eh oui, et on verra ta guerre. Bye bye tout le monde. Bye tout le monde.